Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Notre voiture est tombée en panne, un peu plus loin sur la route d'Alger. Je peux téléphoner de chez vous, à un garage à Oran? Ça va. Suivez-moi. Madame, nous sommes ni des voleurs ni des bandits. Nous sommes des résistants. Toi, tu laisses la vie sur cette fois-ci. Mais gare à toi. Si tu continues à maltraiter nos paysans et leurs femmes, tout le monde se plaint de toi. Des voyous. Comprends-tu ? Vos visages sont là, dans ma tête. Non ! La tenue de cette séance devant un tribunal militaire pour juger notre client Ahmed Zabana représente un véritable non-sens. Je vous explique, monsieur le président. L'Algérie étant assimilée à un territoire national, à la France donc, l'état de guerre ne peut être proclamé. Et les membres du FLN, au regard de la loi, ne sont que des droits communs et ne peuvent être présentés que devant des tribunaux civils. Par conséquent, monsieur le président, je ne peux pas croire que la justice de la France puisse revenir à une législation d'exception. En 1954, ces Algériens veulent plus. Messieurs, on a dit ici qu'il fallait vite régler cette affaire pour satisfaire l'opinion publique. Eh bien, pour moi, la justice n'est pas là au service de l'opinion publique. Ce que j'ai démontré en prolongeant les débats. Cela n'a pas empêché le commissaire du gouvernement de demander la guillotine pour Zabana. Et de réclamer la perpétuité pour Kefif Abdelkader Zoubir, 20 ans pour Fizi et Zoubir Bouadjemi. Zabana. Ancien soudeur. Condamné à mort pour terrorisme. Ne me touchez pas. Habille-toi. Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! Exécution !